démarre avec des chiches. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire nous les pays riches, à part enfiler des mouches, faire semblant de pas tirer en touche. Une fois que tu t'en es rendu compte que la seule chose qui nous va bien c'est la honte, c'est la résignation. Et maman qui veut qu'il décroche le pompon. Et après, après, ce qu'ils voudront crier quand même le pourront. Ça revient avec une fille et une balançante qui fait des vrilles. Ça pourrait être un symbole du pendu. Pourquoi pas le son de n'importe quoi qui roule. Mais c'est l'histoire d'une méthode, à savoir comment inscrire l'échec dans la chair sur tous les modes. C'est juste une éducation pour ne rien trouver à long terme d'autre que l'insatisfaction. Et après, après, ceux qui voudront essayer quand même le pourront. Ça continue dans la nuit, avec les soi-disant plaisirs interdits. Là de pas de là la routine, car tout ce qui se répète tombe en ruine. Alors il faut aller plus loin, mais aller loin ça veut rien dire. C'est juste une illusion, d'être dans ton frôlant le pire. Et après, après, ceux qui voudront en finir quand même le pourront. Et puis la voix parle de courir et de devenir vieux. Puis elle ne dit plus rien et ne regarde plus dans les yeux. Si le temps passe, et partout où il peut, il laisse des traces. Mais c'est pas grave, de finir sur un lit à lever le doigt pour qu'on te lave. C'est juste une évolution, mais bon, si tu parviens à l'oublier, ce sera pour t'aliéner. Et après, après, ceux qui voudront oublier quand même le pourront. Après c'est juste une filature, le cochon rêve de confiture. Pourquoi s'accrocher pour un peu, en se disant que l'échec a déjà eu lieu. C'est une acceptation. Et alors, alors, ceux qui voudront refuser quand même le pourront. Alors ceux qui voudront crier quand même le pourront. Alors ceux qui voudront essayer quand même le pourront. Alors ceux qui voudront en finir quand même le pourront. Alors ceux qui voudront oublier quand même le pourront. Alors ceux qui voudront refuser quand même le pourront.